puisque cet après-midi, nous retrouvons Jean-Pierre Foucault et Anne pour Disney Parade. Vous savez aussi que mercredi matin à 7h30, nous serons là, Julie, Nicolas et moi, pour le Disney Club mercredi. Alors regardons ensemble la bande-annonce de ces deux émissions. Ouais ! Cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, découvrons Haut comme le ciel dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade. Et tous les mercredis matins, de 7h30 à 9h, ne manquez pas notre émission Disney Club Mercredi, avec les aventures de Winnie l'ourson, de la bande à Picsou, et des reportages. À Disney World, nous vivrons une étrange aventure. Alors rendez-vous mercredi matin dans Disney Club Mercredi. Voici le moment venu de regarder le troisième indice de notre énigme. Alors, si vous n'avez pas trouvé le nom du personnage du sportif que nous recherchons aujourd'hui, eh bien, revoyons ensemble les deux premiers indices. Voici le premier et voici le second. Je préfère rappeler les indices, on ne sait jamais si quelques-uns d'entre vous n'ont pas vu le Disney Club depuis le début. Comment ça pas depuis le début? Mais moi, j'ai les noms de tous ceux qui n'étaient pas là à 8 heures. C'est très bien, Nicolas. Je vous rappelle notre adresse pour répondre à notre concours sur carte postale. Le Disney Club, boîte postale 2001-92-518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Et n'oubliez pas notre grand concours qui peut peut-être vous faire gagner un séjour d'une semaine à Disney World, ainsi qu'un abonnement d'un an au journal de Mickey. Pour cela, il faudra nous envoyer la réponse à l'énigme de la semaine dernière, ajoutée à celle d'aujourd'hui, plus les deux suivantes. En attendant cette semaine, on peut gagner soit un porte-manteau, plus un sac, plus un album, ou bien une mallette de poste, plus un livre, ou encore une cassette, plus un sweatshirt, ou un ensemble de linge de lit, plus 5 livres de compte, ou un ordinateur, ou encore un téléphone. Et la semaine dernière, que fallait-il trouver? Fantasia! Absolument, Fantasia, le célèbre film de Walt Disney. Souvenez-vous des indices. Tout d'abord, en premier indice, nous avions un seau et un balai. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Deuxième indice, le célèbre chapeau et la baguette de chef d'orchestre de Mickey. Et enfin, troisième indice, une autruche en ballerine. Mais regardons tout de suite la liste des gagnants. Et tout de suite, nous accueillons une personne qui vient de Zambie. Elle associe les rythmes d'Afrique à ceux de la house music européenne. Everybody's free to feel good, voici Rosala.
mercredi.